allez-vous? Nous sommes dimanche, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes bien. J'espère que je suis bien cadrée. J'ai toujours peur que vous ne voyiez pas là. Non. Voilà, ça devrait être pas mal si je travaille ici. Voilà. Donc, je vais aujourd'hui faire la page de art collage. Je vais faire la page de art collage numéro 13, qui débute le deuxième trimestre du défi de Spoonie Love Junk Journal. Et nous allons la faire ensemble. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo de la page numéro 13. Je ne suis pas allée la voir volontairement parce que je ne veux pas être inspirée ou influencée par ce qu'elle a fait. Donc, j'ai choisi mes propres trucs. Il faut une photo. Alors, des photos, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai trouvé cette photo avec des vaches, ici, qui est assez neutre et ça me va très, très bien. Il me faut une forme géométrique. J'ai décidé de faire du pochoir avec ces formes là, ces formes d'alvéoles qui sont des formes géométriques. Il me faut quelque chose vu à travers d'une fenêtre. Donc ce sera ma photo qui sera vue à travers de la fenêtre. Voilà. De ce fait chercher une autre illustration avec une fenêtre et quelque chose qu'on voit. J'ai décidé de prendre aussi, alors il faut un billet d'entrée. Donc j'ai pris recto verso de ce billet là. Voilà, je vais mettre un au recto, un au verso. Il faut de la machine à écrire, donc j'ai trouvé dans mes anciennes cahiers d'école des textes écrits à la machine à écrire. Il faut quelque chose de ligné, donc je vais mettre un petit bout de ceci et je vais sans doute faire des lignes aussi en plus. Ça aussi c'est quelque chose de ligné, donc voilà. Donc, je vais le mettre aussi et je vais mettre des fleurs en plus. Voilà. Donc, nous allons commencer de ce pas. Et je vais commencer par mettre la photo. Voilà, comme ça. Je vais mettre la photo comme ceci. Bon, on va essayer d'abord. Le texte, on va le placer un petit peu comme ça. Elle, je vais la centrer un peu plus. Et lui, comme ceci. Voilà. Ma petite fenêtre. Voilà. Mes lignes, je vais mettre derrière là. Comme ça. Ceci, ça viendrait là. On va faire comme ça. Et je vais mettre mes alvéoles là avec de la mousse Now en jaune. Ben ma foi, ça me plaît bien. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vais commencer par mettre ma mousse.
Je vire tout. Je sais pas combien de temps ça met à sécher, ça. Mettre un tout petit peu là et ça je vais le faire sur une page de brouillon ça après. Voilà, tout est nettoyé. Ça, je vais laisser sécher ici. Et voilà, donc ça je le nettoierai. Ensuite, je vais prendre une lingette, une petite lingette, pour nettoyer ce que j'ai mis à côté, n'est-ce pas? Sécher. Je vais tenter de coller mes trucs quand même. Alors, je vais tout vieillir. C'était une découpe que j'avais faite il y a quelque temps. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, tu vas servir ici, toi. Donc, elle va venir se coller là. Je vais mettre de la Patex. Parce que j'ai peur que vous voyez qu'elle est bouchée. Non! Eh ben, normalement, les photos, il faut les coller aux doubles faces. Hein. Là, je le fais comme ça. J'espère que on ne le verra pas. Parce que c'est mieux de les coller aux doubles faces.
vous me direz, c'est pour toutes celles qui font le défi de qui font le défi, je. Si je suis dans le thème déjà, parce que je suis pas sûre. Avec cette histoire de quelque chose vu à travers d'une fenêtre, je ne sais pas s'il faut mettre une fenêtre et voir quelque chose derrière, ou s'il faut mettre une illustration. Écoutez, je vais le faire comme ça. De toute façon, j'ai trouvé cette petite fenêtre. Je trouve qu'elle va. Mince! Dites-moi quand je fais des bêtises comme ça. Parce que j'en fais des bêtises. J'ai oublié de mettre ça. Bon, ça va s'arranger quand même, mais. C'est pas bien du tout ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que, franchement, je fais n'importe quoi. Pourtant, je sais dans quel sens ça va, puisque on l'a vu ensemble tout à l'heure. Eh ben non! Eh ben non! Je fais tout à l'envers quand même. Là, c'est exactement la même chose. Il va falloir que je décolle vite fait ça pour placer ça derrière. Non, mais Anne-Marie, 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 tu fais n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, c'est en place. Mais alors, voilà. Et la raison pour laquelle je veux mettre des fleurs, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce. Dans cette. Voilà. Donc ça aussi, je vais le mettre comme ça.
C'est un parc qui se trouve vers chez nous, qui s'appelle Défi Planète. C'est très très mignon comme parc. Je vous dis que c'est très très mignon, mais j'y suis jamais allée. Mais mes filles y sont allées. On peut dormir dans les arbres, on peut dormir. Comme ça. Hop. Je colle tout à la patex aujourd'hui, alors que d'habitude, je colle tout au bâton de colle. Aujourd'hui, c'est différent. Voilà. Je vais tenter un truc. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Je vais faire un. Oh, j'aurais bien aimé qu'il aille dedans. Je vais le couper. Je vais le mettre là. Ouais, je vais mettre plus haut. Adieu, j'ai vendu. Voilà. Ma fenêtre. Coller comme le reste à la patex. Voilà, je vais voir les deux vaches dans le miroir. Tenter de retirer la colle. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce petit collage vous va bien? Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien.
Je vais faire une ligne tout le tour, puisqu'il faut des lignes. Avec mes ohuhu que Poppy m'a offert, ma copine Poppy. Et je vais le faire de quelle couleur? Comme ceci peut-être. Alors, je trouve que ça fait c'est assez sympa, ça rehausse le tout. Alors je vous le montre, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, les formes géométriques, la fenêtre, quelque chose vu à travers la fenêtre, la photo, les lignes ici, les tickets d'entrée et quelque chose écrit à la machine. Et voilà, le tour est joué. Et je l'aime beaucoup, même si elle est assez neutre, elle n'est pas extravagante. Mais j'aime bien, mais j'aime bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo numéro 13 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Je vous rappelle que ce défi est sur la chaîne de Spoonie Love Junk Journal et a été inspiré par Margaret Miller qui l'a imaginez, et il a été traduit par Spoonie à la demande de Margaret Miller, donc vous pouvez vous le procurer sur Etsy, sur la chaîne de Margaret Miller, sur la boutique de Margaret Miller, et sinon allez voir la chaîne de Spoonie Love Junk Journal que je vous mettrai en barre d'infos, puisque elle vous fait la semaine, chaque semaine, la semaine en cours, et elle vous dit ce que vous devez mettre sur votre collage. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour cette semaine, ben, ça va être terminé puisque nous sommes dimanche. En début de semaine, je vais vous poster la couture de mes livrets du Junk Journal victorien, et je vous le présenterai en même temps puisque j'ai commencé à le je l'ai rempli avec les tags et les embellissements que nous avons fait ensemble. Sur ce, je vous dis bonne semaine, bonne fin de week-end, et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao, ciao.